الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شيخي الشيخ الأيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نغمي الله سبحانه وتعالى سيديك بصفافي الحمد لله نبقي نكاسوك نصدى أن بابي سبا النكاس ونبقى نجيبه سفاهول إباهول سفوف محمد صلوات الله وسلامه عليه. Thème pour ce soir, c'est l'importance du Coran dans la vie musulmane. Bien adulte, mon frère, mon cher, qui est l'imam, parmi mon plus grand pavir, qui Allah Azza wa Jal, le fil fait à l'Umma de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fil envoyé du Coran comme un guide pour nous. Et pour nous reconnaître, grandir et valer ce livre-là, réfléchis, mon frère et ma sœur, Allah subhanahu wa ta'ala le fait choisir tout ce qui est meilleur pour lui envoyer ce livre-là. Ce livre qui appelle le Coran, c'est parole Allah, meilleure parole. Rabbul Alamin le fait choisir pour lui donner sa meilleure parole-là à meilleur prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il fait choisir comme intermédiaire entre lui et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, meilleur ange, Jibril alayhi salam. Et il fait choisir meilleur mois pour lui envoyer le Coran, les mois de Ramadan. Il fait choisir meilleur nuit, la nuit de Laylatul Qadr. Et il fait choisir pour lui donner sa livre-là, sa meilleure parole-là, à meilleur Ummad, Ummad Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, bien adulte, nous qui faisons partie de Ummad Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un honneur pour nous. Qui nous est dans nos possessions à le Coran, qui contient la parole Allah, Rabbul Alamin. Bon frère, bon sœur, qui est l'Iman, seulement le Sardina pour dire un livre pareil qui n'a autant valeur auprès de Rab. Le Tibisan est là, une grande considération dans les cœurs de chaque musulman et chaque musulmane. C'est un livre qui les mérite, nous honore, nous donne valeur, mais quand on gagne la réalité,
devant nous, réalité de beaucoup de musulmans et musulmanes, c'est nous capables de dire que beaucoup parmi nous ne peuvent pas reconnaître sa faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fait faire en nous quand il fait envoyer le Coran. Alors, Inch'Allah, nous apprenons comment nous capables de nous saliver là. Et nous apprenons comment ça livre là. L'important pour nous, dans la vie de tous les jours, pour nous vivre dans la prospérité dans cette dunya là, et Inch'Allah, pour les profiter nous, même dans nos abats, après nous la mort, et les profiter nous, ce grand jour quand nous pouvons débuter devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alameen, les fils envoient le Coran, les fils envoient ce Coran là pour nous apprendre, pour nous faire ce tilawat, pour nous étudier et nous enseigner. C'est ça l'objectif derrière le Coran. Si un musulman il dit ça, qu'on ne pense pas un livre qui nous enveloppe dans notre étoile, nous garde le dans une place qui bien haute et ensuite. Dans sa même place-là, nous désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, que l'Aïman réfléchit, qui s'allait qui vraiment lui fait honneur au salive-là, est-ce qu'il est, quand on rentre contre lui, on trouve le Coran sur la table, dans son salon ou dans son salle, et ce Coran-là, c'est un Coran qui se base, si tant qu'il n'y a, les fins sans scolaire, ou bien, elle qui les fait prendre le Coran, les fait poser sur une table, qui depuis qu'il est installé, les portes ouvertes, les fait envelopper dans une autre toile et les fait garder, et les fait dire qu'il y a un respect pour sa Coran. Qui s'en a un respect, mais il y a un doute, c'est celui qui peut lire son Coran, c'est lui qui peut faire ses mots pour les comprendre le Coran, c'est lui qui les étudie le Coran, c'est lui qui peut enseigner le Coran, c'est sa banne. Papa, nous sommes là, subhanahu wa ta'ala, qui ne connaît pas le Coran, mais quand c'est lui qui les étudie, il y a un doute, le Coran a besoin d'un respect pour lui. Le Coran a besoin d'un respect pour lui, nous ne sommes pas un grand maître de Coran, mais un respect qui est à la limite un respect qui lui fera profiter avec ce bal l'enseignement. Et beaucoup de monde, quand nous pose concernant Coran, qu'il soit tilawat, ou bien étude Coran, ou bien hifz le Coran, après le Coran, baqiya, mémorisation Coran, ou bien même enseigne Coran, beaucoup de musulmans jettent sa conception qui est difficile. Je ne suis pas capable d'apprendre. Je ne suis pas arabe. Depuis, on met là, quand tu viens arriver dans l'âge, je dis que depuis enfants, je ne suis pas apprendre. Comment se dire, je ne suis pas apprendre. Alors, plus il y a une façon que tu es grand, l'embête un petit monde, l'empêche un petit monde pour lui augmenter son relation avec le Coran. Et n'importe qui s'en a, lui est là, sa conception-là, en vérité, lui derrière parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vient envoyer ce Coran-là. Et c'est lui qui lui vient informer nous, qui nous besoin faire vis-à-vis ce Coran-là. Et lui, il connaît réalité, il connaît nos réalités plus que nous connaissons nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala li libetia concernant le Coran wa laqad yassarna le Coran fa hal min muddakir. Il dit certainement nous fin faire le Coran bien facile, nous fin rendre le Coran facile pour adhikr, pour comprendre, pour méditer, pour faire rappel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réfléchir? Allah subhanahu wa ta'ala li libetia moyen. Le bédier qui s'apprend à Allah, c'est un livre facile. Donc, un musulman à aucun moment, qu'il soit pour lire le Coran, pour apprendre à lire le Coran, pour apprendre la loi tajwid, ou bien pour mémoriser le Coran, ou bien pour étudier le Coran, pour lire tafsir le Coran, ou bien pour enseigner le Coran, à aucun moment il n'a pas gagné droit même de troubles difficiles. C'est lui qui fait troubles difficiles, c'est le besoin et dans la prière de ce lecteur, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, le bédier,
été à l'évangile, comment est-ce qu'il nous capable trouver difficile? Est-ce que c'est pareil, faiblesse de l'imam, ou bien c'est un manque de ses mots, de nos pas? Mon frère, mon cher, que l'imam, en vérité, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer comme un guide pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous n'avons pas fait envoyer toi, ô prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, excepté comme un pitié pour l'univers en entier. Nous n'avons pas fait envoyer toi, excepté comme un pitié, comme un rahmat pour l'univers en entier, c'est-à-dire pour toute la création. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi les conseils qu'il fait de nous, il fait encourager pour nous apprendre le Coran. Les filles encouragent pour apprendre le Coran et ça peut sans doute montrer l'importance du Coran dans la vie d'un musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il encourage sur les sahabas, il encourage sur les hommes pour apprendre le Coran, ça est musulman. Il s'est fini de comprendre qu'il faudrait l'important dans la vie pour lui donner nous sa conseil. Ce n'est pas si important, mais il faut donner nous sa conseil. Par exemple, il dit, rapporté par Uqba bin Amir, il dit, kunna julusan fil masjid naqra'u al-Qur'ana fa dakhala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa sallama alayna. Il dit, tu viens ici dans masjid, pendant que nous faisons le Qur'an, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il vient rentrer et il vient faire nos salams. Premier profit de cet événement-là, c'est bad sahaba redouanullahi alayhim, c'est pas bad qui tu peux perdre sur le temps, c'est bad qui fait comprendre l'importance du Coran dans la vie. C'est pour ça qu'il vient souvent nous traverse par bad hadith quand nous apprenons qui bad sahaba puis engage dans la connaissance. Par exemple ici bad abidia nous fait assister dans ma site pendant qu'il nous fait le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Ça c'était sur l'habitude ça. Sur l'habitude c'était lire le Coran, lire le Coran, étudier le Coran. Sur l'habitude c'était pas perdre du temps. Sur l'habitude c'était pas en engage, je n'étais pas dans quelque chose inutile, non. Mais ça c'était sur l'habitude, je ne fais qu'autant lire le Coran. Et c'est pour sa raison là qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mourir au Badla. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, balancier, il vient répondre sur salam, thumma qal, et il vient dire. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient dire à Allah, il dit, bala ta'allamu kitab Allah, il dit, étudie, livre Allah, grand livre Allah, waqdanu, waqdanuhu, il dit, et garde-le dans une possession. Étudie le Coran, garde-le dans une possession, wa ta'allamu bihi, et lire le Coran bien. Quand je lis le Coran, fais ces mots pour se lire le Coran bien, avec ta tuite, avec un joli la voix. Ensuite, il dit, فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من المقاض من العقول. لذا لبابي صلى الله عليه وسلم لفيشام له الله لفيشام له سيرك سلامي لسلامي لذا سأقول أن لإشافي plus vite il va chamer le plaid l'échapper depuis le pâle et depuis la côte qui attache chez nous avec ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut faire nous comprendre ben frère, ben cher qui est l'imam qui Coran c'est pas un livre. Par exemple quand nous finissons après lire la madrasa l'étudiant est terminé, nous n'est plus un an pour nous continuer à lire ou bien nous payons pour continuer à prendre le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut faire nous comprendre c'est un livre. Si nous n'avons pas engagé tout le temps avec lui, si nous n'avons pas continué à lire, ben, nous pouvons pas dire. Nous pouvons pas dire. Au chemin, il y a beaucoup de gens qui ont remarqué un certain état dans la vie, il y a le Coran bien. Après un certain temps, il y a tout le temps, il y a le Coran bien. C'est un film qui est le Coran. Et ça, c'est une vérité qui nous témoigne ça. Par exemple, dans les mois de Ramadan, quand nous lisons le Coran en quantité, par l'autre, nous avons l'amour pour le Coran. Et nous-mêmes nous remarquons que
nous lecture, c'est une chose de lecture, nous l'avons aussi une chose. Mais quand, dans une semaine, une fois, ou bien dans un mois, une fois, ou bien avec les temps qui nous dit le Coran, finalement, nous venons à une chose de l'avoir, ni nous capables de Coran bien. Donc, malgré que l'Aïman, ça a dit qu'il peut montrer qu'un musulman en vérité, tous les jours de son vie, il a besoin de Coran. Il a besoin de faire lecture Coran, il a besoin d'étudier Coran. Et dans sa vie qui nous peut vivre là, pour montrer l'importance du Coran en haut, dans la vie, lorsqu'on a là, l'insan est content. Il est content quand il gagne beaucoup. Quand il gagne beaucoup. Et ça, c'est ce mot que chacun parmi nous, nous peut faire. Mais il ne faudrait pas nous oublier que sa dunya là, nous est là pour quitter pour nous aller ça. Sa dunya là, nous pas pour vivre là éternellement. Un musulman qui est intelligent, un musulman qui concerne solide, un musulman qui lit le Coran, étudie le Coran, il vous comprend qu'il ne faudrait pas lui donner tout ce sacrifice, tout ce cerveau derrière Dunya. Qui vient parce que Dunya nous pour qu'il t'avait une poil. Il ne faut pas dire qu'il est haram pour travailler, non. Nous avons besoin de travail. Nous avons besoin d'un musulman qui nous dépanne de l'eau et nous avons besoin d'une comme un bal qui s'est content à laver l'eau. Mais mon frère qui est l'imam et mon cher qui est l'imam, nous besoin comprendre aussi qui dit bien une fini tracée par Allah et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous besoin faire ces mots pour nous engager nous d'avoir action que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam nous peuvent nous connaître qui ça nous représente un dit bien pour nous. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam rapportés par Uqba bin Amir l'idée kharaj Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu fi suhbah. Les dia, les messages d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous sont sortis de la soufa. Soufa, c'est une place que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, les dimers sont spéciales pour les pauvres qui peuvent vivre dans son époque, maintenant qui peuvent venir se rester dans sa place-là. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam ont demandé, فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَبْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُرْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيرِ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَا وَيْرِ فِي خَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَتْلِ رَحِمٍ. Les prophètes ont demandé, qui s'en a parmi eux, qui les compte que chaque matin, les halles, Bouthan, c'est un endroit, ou bien l'Aqir, qui est l'un d'endroit en haut de Madina, et ensuite ils retournent avec des chamelles qui est un gros buste aux autres les deux. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui me demande que ça n'a pas besoin de pas content. Que chaque matin ils sont dit dans sa dîle, voilà finalement ils retournent avec un fortune. Ça vaut à cette époque-là, c'est ça même moyen de transport qui tient là, plus varié. Par exemple, dans cette époque-là, comme si nous mettons que ça n'a pas content. Et chaque matin, par exemple, il y a le bonheur quand il peut retourner la carte, il peut retourner avec des Mercedes. Ça là qui va content quand il peut retourner la carte, chaque matin, il peut gagner des Mercedes pour le retourner la carte. Sans qu'il ne commette aucun péché, sans qu'il ne coupe aucun relation. Ce n'est pas pour un moyen haram, non? Mais il peut gagner dans une bonne façon. Mais le Sahaba, Ridwanullah, il y a une réponse. Oh, messager d'Allah, nous tous nous comptons ça. Oh, messager d'Allah, ça, il est content. Il est content pour aussi, il est content à la richesse. Le Sahaba radiallahu anhu, je fais une réponse à les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, nous tous nous comptons ça aux prophètes. Alors les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, les disent, est-ce que je ne suis pas capable à l'masjid chaque matin pour apprendre ou lire des ayats, des livres à Allah, ça les meilleurs pour ceux qui déchamèlent, trois ayats, les meilleurs pour ceux qui trois chamèlent, quatre ayats, les meilleurs pour ceux qui quatre chamèlent. C'est-à-dire la quantité ayats qui nous lient les prophètes sallallahu alayhi wa sallam peut faire ce matin, ça va comprendre que ça va être ayats pour un qui se lie là, les meilleurs pour ceux qui s'adoumnent là. Les meilleurs pour ceux qui s'adoumnent là. Et c'est ça qui en vérité, qui lui amène tranquillité dans l'église et le musulman. Coran, lecture Coran, lire Coran, on vient apprendre Coran, étudier Coran, c'est ça qui amène tranquillité dans la vie des musulmans. Et nous tous nous d'accord, dans cette époque qui nous fait vivre là, qui quantité parmi nous nous est stressé et là il y a une dépression sur la tête fatiguée. Alors c'est nous tous nous péchés la tranquillité. Et combien l'argent nous fait dépenser derrière va le docteur pour nous gagner tranquillité. Mais c'est lui qui peut faire tout ça, sacrifice ça, tout ça, c'est bon pour nous gagner tranquillité là. Et qui
il n'a pas fait comprendre, s'il est engagé dans apprendre le Coran, dans étudier le Coran, dans faire hibdo le Coran, dans faire tilawat le Coran, il faut gagner tranquillité. Allah subhanahu wa ta'ala vous donne lui sa tranquillité là. Allah Rabbul Alameen, l'étude du Coran, Allah bi-zikrillahi, tatma'innu al-qulub, et bien par zikrullah. Le Coran, il faut partir avec Allah. Allah dit, et bien par zikrullah, qui se déléguait pour gagner tranquillité. Ça, c'est un grand souci de tranquillité. Mais les poursuivis qui s'insèrent envers Allah subhanahu wa ta'ala, les poursuivis qui les engagent dans le Coran, c'est-à-dire dans l'étude du Coran, ou bien dans l'étude du Coran, ou bien étudier le Coran, donc être musulman. Il y a des meilleures dans la vie, il y a des meilleures qui sont dans la vie du Niala. Dans l'Akhira, il engage dans l'écriture du Coran, dans le Coran, dans toutes les bonnes qui passent par l'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un moyen pour les gagner beaucoup et beaucoup de bien dans la Niala. De la même façon, chers frères et sœurs qui l'aiment, nous devons reconnaître une vérité dans la vie. Notre vie dans la Niala pour notre travail. Pour nous faire ses fonds, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les jours du Qiyama, les récompense nous parmi nous dans la Jannah. Ça, la vie, ça tient l'état qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut permettre nous pour nous vivre sur la terre. C'est un moyen, c'est une occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous pour nous faire une bonne action, afin que les jours du Qiyama, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pèse sur une action, nous balance. Les poumettes nous ont une bonne action dans une balance, les poumettes nous ont une mauvaise action dans une balance, c'est lui qui balance des bonnes actions, bébé esprit, nous qui se balance des mauvaises actions, Inch'Allah, le Père de Dieu. C'est lui qui se balance des mauvaises actions, bébé esprit, nous qui se balance des bonnes actions, lui mérite l'enfer à sa souffle. Alors, être musulman, quand il peut faire face à sa vérité, la qui visait sur ses fonds dans sa dunya là, c'est l'irrôle bon moyen pour lui augmenter sa bonne récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a beaucoup et beaucoup pitié dans nous. Il y en a beaucoup et beaucoup pitié dans nous qui vient parce qu'il aime. Bonne action qu'il nous fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie ça par 10 jusqu'à 700. Et il y a une ibadat qui se récompense bien à la limite. Pas pour les mêmes combien. Par exemple, c'est Rosa. Quand Rosa, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas fini un faux mot qui compte ses récompenses, il y a une réserve. Ça montre une pitié qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une insane. Mon frère qui a une action, il multiplie une bonne action, il multiplie par 10 jusqu'à 700. Et il y a une bien à la limite. Et une mauvaise action, Allah subhanahu wa ta'ala, les pouvaient être pour elle ça. On fait une mauvaise action pour elle seule, mais ce n'est pas dit ça. Ni 5, ni 10. Ni les doublés, il reste elle pour elle. Ça joue la réfléchir. Si un musulman est présent devant Allah Rabbul Alameen, il balance des choses. Mauvaise action, et puis esprit lourd qui se balance des bonnes actions. Quelle est la honte pour lui ça? Quelle est la honte pour lui? Allah subhanahu wa ta'ala, à travers une bonne action qui nous fait venir de loin l'avance. Là aussi, si nous présentons devant Allah subhanahu wa ta'ala, mauvaise action, bébé, c'est nous qui voit action, qui ça veut dire? Ça montre qui quantité l'ordre, nous l'ordre pour nous faire bon action. Et un parmi les moyens pour nous acquérir, il y a beaucoup de récompenses dans la vie, dans Tigit l'État, c'est à travers l'écriture Coran. C'est quand nous lisons le Coran, nous engageons dans l'écriture Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man para arfa min kitabillah, c'est lui qui lit un livre dans l'île Allah subhanahu wa ta'ala, voilà vous bini hasana, les gars ont une récompense, et à wal hasana nous bi ashriam d'alia, il y a une récompense Allah subhanahu wa ta'ala, les multiplier sa bâtis. Ensuite, il dit, là, pour nous, alif lamim, harfoun. Mon papa dit, que alif lamim, c'est un lait, voilà qu'il alifun harfoun. Alif, c'est un lait. C'est-à-dire, un jimon, il dit, alif lamim, les gars ont une récompense. Alifun harfoun, voilà un harfoun, alifun harfoun. Alif lamim, les gars ont une grande récompense. Réfléchis, mon frère, que l'aïman, qui s'accueille parmi nous, qui s'accueille parmi nous, nous faire un petit bon disque pour nous gagner l'idée. Ne pas dire beaucoup. Essayez de lire le Coran un jour pendant 5 minutes. Essayez de faire lire, car on l'a qu'à juste pour 5 minutes lire le Coran.
Pour nous guérir l'expérience qui compte, c'est ça, pas pire que soit la Subhanahu wa Ta'ala, si nous engagons nous les temps d'aller lire le Coran, ça vous profite nous beaucoup et beaucoup les choses payables. Lire le Coran 5 minutes et compter qui compte l'alphabet pour finir, multiplier les par 10 pour gagner un compte, qui compte les récompenses dans 5 minutes, pas pire que soit la Subhanahu wa Ta'ala, on est capable de rire. Et si un musulman, tous les jours de son vie, les pétillent quelques minutes, quelques temps pour les lire le Coran. Il n'est pas juste ça. Nous venons, soir à bonheur, nous lire le Coran. Après soir à bonheur, nous lire le Coran et la loi de la case. Ou bien, tous les jours, si pas, nous mettons le lire pour nous lire le Coran, pour nous faire le Coran. C'est nous qui vous profitons. C'est nous qui vous profitons avec sa mal ibadat. Mais la personne qui vous profite avant nous. Donc, on va faire que l'Iman est musulman, il est intelligent. Il est pour balayer ce Coran-là. Sur la langue, non, mais pas sur la vie pratique, il baisse en gaz sur l'État. Pas faire le Coran, pas vivre avec le Coran. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, les dire concernant le Coran, il dit Inna hadhihi al-qulub aw'iyatun. Les dire certainement, bah, les guerres, c'est pas le récipient. Les guerres, comment dire, le récipient Fashkarouha bil-Coran, voilà, tashkarouha bi-ghairihi. Les dieux préoccupent sa lékiéra. Préoccupent sa lékiéra, remplissent sa lékiéra avec le Coran et n'a pas rempli sa balle lékiéra avec une autre petite chose à votre Coran. Ibn Mas'ud, l'Ibé conseille-nous. Et ça, c'est une vérité, mon frère qui est un imam, et ma soeur qui est un imam, un musulman. S'il n'a pas préoccupé sur l'état de l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement, il préoccupe ça l'état là d'avoir les autres qui sont. Soit, quand il n'y a pas de noyer, il n'y a pas de noyer. Un musulman, s'il n'a pas, par exemple, sur les guerres, et ce qu'on peut dire, c'est un récipient ça. S'il n'a pas rempli ça l'état là avec des collats, avec un aïe, mais les guerres, automatiquement, il va lever avec des choses haram. Il va lever avec des choses haram. Alors, il va y avoir une façon pour nous protéger. Contre haram, l'osadunyala, c'est nous engage nous dans l'écriture Coran, bien le Coran dans n'importe quelle façon. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit dans le hadith, مَثَلُ الَّذِي يَقْرَوُ الْقُرْآنِ وَهُوَ حَافِظُ لَهُ. Et ça a dit là, lui montrer l'importance, n'apprendre le Coran par cœur. Coran, et un musulman, en vérité, si ça c'est meilleure parole, l'osa dunyala, puis nous besoin dans l'amour de nous l'éclair pour n'en prendre ni pas qu'il y a. Il n'y a pas suivi qui existe, nous lire, nous guider, nous lire, mais nous besoin d'un l'amour dans nous pour n'en prendre pour un pas qu'il y a. Et d'autre part, mon frère qui est l'aimant, vous pensez qu'il est impossible. Si c'est impossible, mais la personne l'osa dunyala, tu ne peux pas prendre sa Coran à pas qu'il y a. Donc, un musulman, ce qui est important pour nous comprendre, ça c'est pour là, livrer tout le monde son capacité mémorisation, il n'a pas pareil, tout le monde son niveau compréhension, il n'a pas pareil. Mais ce qui est important, c'est pour qui nous fait vis-à-vis du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, les jours du Qiyama, les pour récompenser nous, pour ces mots qui nous font. Ce qui est important, c'est ça, ces mots-là. Par exemple, un dimon, un musulman, l'exercice d'un cours, l'exercice d'un cours, comme bien enseigne, comment vous mémorisez le Coran, bien encourage, vous mémorisez le Coran. Et ça, c'est une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait à nous. Si nous fréquentons un masjid, et que sa masjid a donné l'importance au Coran, et qui dans sa masjid là, il y a un cours qui peut donner, qu'il soit concernant le Coran, pour faire nous mémoriser le Coran, ou bien, peut encourager nous, pour nous lire le Coran avec Tajwid, bien enseigner Tajwid, ou bien même expliquer le Coran, et n'importe quelle leçon qu'il peut faire, c'est en vérité qu'il dit ça, c'est qu'il explique par le Coran, ou bien qu'il explique par le Hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous besoin contents, nous besoin d'un l'amour, quelle soit dans ma leçon, des mémorisations, qu'on peut bien nous faire le Coran, nous besoin présent. Dans ma leçon que nous enseigne Tajwid, nous besoin présent. Dans ma leçon que nous explique concernant. Et Coran, un n'importe quelle leçon qu'il peut faire, qui peut venir causer, c'est pour venir expliquer à un Coran et Hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa
passage, mais ça nous va prendre. Elle peut évaluer l'objectif de la Coran à bosser nos besoins et étudier la Coran. Alors, un musulman, c'est lui qui peut gagner sa location. La réflexion maintenant qu'il a l'imam. Combien de masjid il y en a comme ça? Qui? Masjid là, peut faire 5 fois la masse et bal qui peut fréquenter Masjid là, pas peut gagner l'occasion pour je t'apprends le Coran, je mémorise le Coran, je t'apprends la loi 18, ou bien même peut faire la leçon. Peut-être par leçon qu'on s'indique Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère qui a l'imam, et ma soeur qui a l'imam, il fait une fête traversée. Il fait une fête traversée. Une gagne 10 semaines. Mardi, une madame, il rentre dans le bureau là pour lui, lui tire elle l'enveloppe, bah, il s'est pour le fil ça. Qui fait ça, madame là, les petits à Zaka pour le fil, 10 semaines après, il fait terminer. C'est parce qu'il libère la connaissance, lui. Libère la connaissance juste pour montrer qu'elle était pavée à la robe pour l'arabie de l'hiver. Là, c'est lui qui gagne la connaissance. Ça protège pour le balayer. Et elle finira d'une obligation qu'elle a la moitié de la filmée. C'est lui qui peut gagner seulement pavée là. C'est nos besoins qu'on a. Nos besoins sont dans l'amour pour en prendre le Coran, pour en prendre la parole à la moitié. Et d'importants. Nous persistons dans sa balle. Mais les ou pareil, nous déjà réfléchissons à la hadith qui nous apprend là. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disaient Matharou l'adi yakra au Coran. Ils disaient l'exemple de celui qui lit le Coran, il y a un habib, il y a un hypocrite. Ma'as-safaratil kiram. Les jours du Qiyama, elle dit comment celui qui avait les messages du Seigneur, ben, ange qui nous, ben, n'importe qui ange, ben, ange qui nous, ben, là, subhanahu wa ta'ala, pour honorer. Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, hadith là pour continuer. Beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, quand je commence à prendre le Coran, livré, si un dimon, depuis, sur l'enfance par apprendre, après, les filles commencent à prendre, ou bien un enfant qui peut faire commence à prendre le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, les pas viennent prendre l'essence avec connaissance. Nous tous viennent prendre l'essence et nous payons la connaissance. Nous pouvons essayer des difficultés. Mais qu'est-ce que pitié Allah subhanahu wa ta'ala quand nous engage nous d'apprendre le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit pour nous tendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa madharu alladhi yaqra wa huwa yata'ahadu wa huwa alayhi shadidun fala mu'ajran. Le prophète est celui qui lui peut dire, quand il peut faire ses faux pour lui dire là, il peut apprendre seulement. Important pour lui dire, c'est ça, c'est faux là, ça sacrifice là, mais c'est là, des combats. Malgré que le prophète n'a pas oublié les biens, les jours du Qiyama, quand Allah subhanahu wa ta'ala vous pose nos questions, nous avons une réponse pour nous donner nous. Oh Allah, mon fils est pour moi. Oh Allah, tu n'as pas de goût, tu peux nous les conseils dans le Coran, moi t'as mis de ma présence, mon fils est pour. Mais oh Allah, je ne peux pas le récicoler. Mon bien, oh Allah, je ne peux pas le récicoler le Coran bien. Mais seulement quand mon fils est pour. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous pourrions nous penser. Mais c'est lui qui, quand le premier jour, les filles financières dans les leçons, les filles trop, c'est pas les leçons dans les longues, mon bien, il y a un sommeil, mon bien, il est fatigué, ça c'est tout bon. Quelque chose qui Shaitan et en plus un timon profiter avec le Coran. Shaitan, les sommets qu'il fait à nous. Et nous avons un sommet, nous sentons la fatigue, ou bien, nous avons un travail pour le faire. Il ne faudrait pas nous laissons embêter pas mal de choses pareilles. Nous, mal match disparaît, nous avons besoin qu'on autant pour assister. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui dit le Coran. Et il rate quand il peut lire le Coran. C'est-à-dire qu'il a une difficulté pour lire le Coran. Et il a une difficulté. Il ressentit que c'est une difficulté. Mais seulement, malgré sa difficulté-là, papa Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait assez beau pour lui dire, pour lui dire, pour lui dire. Les prophètes Yafalam Ajarani, les gars des récompenses. Les gars des récompenses pour difficultés qu'il peut gagner pour lire ça, pour Allah. Donc, malgré que l'aimant ne faudrait pas. Nous les chétons en bête nous, pour faire nos croix qui s'amènent pour qu'on y ait un problème. Mais si nous ne prenons pas patience là, doucement, doucement, nous pas persévérer, nous continuer les problèmes, mais s'amènent pour qu'on y ait un problème dans la vie. Les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, les dit encore concernant pour montrer l'importance du Coran dans la vie d'un musulman. Les dit un hadith وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. Les dit aucun groupe de monde pas réuni dans un lacasse comme un lacasse Allah.
Aucun proximon n'a pas réuni dans elle la case pour Iman, la case Allah, pour se lire le Coran, pour se étudier le Coran, excepté qui tranquillité descend le jeu. Rahmat Allah, pitié Allah en club jeu, et ben ange en tout jeu, et Allah fait mention des jeux avec ban qui connaît. Et faveur le dire pour celui qui les vit assises dans la case Allah pour y apprendre le Coran. Quelle soit la loi d'Ajouïd ou bien mémorise le Coran ou bien d'abord les choses, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent Allah subhanahu wa ta'ala, tranquillité des salles aux autres, sabbat qui engage d'abord les choses là, je gagne tranquillité depuis Allah subhanahu wa ta'ala, je gagne pitié Allah, ban ange en tout nous. Et Allah fait un mention, Allah prend le nom avec Ban qui connaît, avec Ban Mange qui connaît. Ça, c'est un grand l'honneur. Et basant dans ce hadith-là, chers frères, chers qui n'ont l'iman, ce qui nous besoin de comprendre encore. Un musulman, les besoins de faire ses fonds. Et vraiment, l'objectif derrière le Coran, c'est nous lire. Mais il n'est pas suffisant pour juste nous lire le Coran. Nous besoin d'étudier le Coran aussi, nous besoin de comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient adresse avec nous dans le Coran parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant sa Coran, c'est un guide pour ban qui n'a pas quoi. Et si nous ne comprenons même qui ban la loi, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre pour nous dans sa Coran, mais comment est-ce que sa Coran est capable d'être un guide pour nous? Comment le Coran est un guide pour nous? Et qui nous n'avons pas bien étudié le Coran. Et c'est pour ça, mon frère et mon cher qui est un imam, quand on trouve ce problème que le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut faire face, ça, l'ignorance qui beaucoup, mon frère et mon cher étaient, c'est bien aucune raison excepté qu'ils ont fait une délaisse Coran. Si nous devons engager nous dans les tiers Coran, dans les versets faux pour comprendre le Coran, pour nous connaître la loi Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit pour nous, ça au matin, ça aucun doute, réfléchis. L'époque des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, l'idée mancale commence à faire da'wa. Et quand il fait arrive à Madina, c'était qui l'époque ça? Jahiliya. C'était une époque. Il n'a aucun péché, excepté qu'il va la tirer. C'est un crime, vol, viol. Toute la violence, sa tribula, puis la guerre avec sa tribula, l'ennemité, la haine, la jalousie, tout ce qualité problème. Maintenant, il y a de rose. Ça même, sa peuple-là, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, les vides parmi eux. Sa peuple a sensé Allah Rabbul Alamin Tia, ou man qui finit l'iman parmi Banna, contum khaira ummatin ukhrijat linnas. Je ne m'aime meilleur ummat fin qui l'humanité fin témoigne, ou tout bâti. Quel sens? Quelle chose qui fin faire je gagne sa lune et là où Allah subhanahu wa ta'ala? Et à travers qui, ban musulman dans sa époque-là, je fin conquérir les mondes. Je fais conquérir les mondes, je fais lire l'histoire, je fais conquérir beaucoup et beaucoup pays de sa limone. Quelque chose qui nous donne ce que ça nous dit là. Mais la doute, c'est quand je fais comprendre le Coran, quand je fais appliquer la loi, Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie, automatiquement Allah subhanahu wa ta'ala au nous. Alors vous avez besoin de comprendre, c'est un par exemple plus grande importance pour un dans la vie et les musulmans. Nous avons envie de donner, nous avons envie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas par ces mots, par nos propres mots qui nous fait un nom. C'est pas par ce qui nous l'esprit peut faire nous connaître qu'il y a l'honneur dans nous. Mais c'est dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut l'informe nous qui nous l'honneur trouve là-dedans. C'est dans le Coran. Quand on applique le Coran, quand on applique l'enseignement du Coran dans la vie, Allah subhanahu wa ta'ala au nom. C'est pour ça qu'il est important, ben frère Kraïman, quand on lit le Coran, et nous faisons ces mots pour nous comprendre le Coran, nous mettons en pratique ce qui nous fait apprendre. Nous mettons en pratique ce qui nous fait apprendre. Et rapportez par Jundub ibn Abdillah, l'idée concernant le Coran, on dit que nous avons 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 d
حساورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازدادنا به إيمانا. Nous sommes ensemble avec les prophètes sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'Ibn al-Shayn, qui solide. Et ça a été montré que dans l'époque les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui Ibn al-Shayn se fait faire. Ibn al-Shayn et qui les diables Ibn al-Shayn solide. C'est-à-dire maintenant qu'est-ce que tu peux faire? L'idée est que tu peux apprendre l'iman avant que tu n'apprennes le Coran, ensuite tu peux apprendre le Coran et passer à l'iman et puis augmenter. C'est-à-dire qu'il nous comprend une parmi les façons où nous augmentons l'iman, le Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de étudier le Coran. Nous apprenons le Coran, parlons d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous venons du ciel, qui Allah subhanahu wa ta'ala peut honorer nous. Et si à tout, le conseil Ibn al-Shayn, Ibn al-Parent, Ibn al-Maman, Ibn al-Papa, ça, l'époque qui nous peut témoigner, remplie avec fitna, connaît pour nous dire à nos enfants, depuis sa bonne basse, ce qui nous peut témoigner là, c'est bien à aucune façon accepté si ça s'enfant là, il a l'iman de son équerre. Et ça s'enfant là, les papes témoignent sa imana de son équerre, sa imana n'a pas manifesté de son équerre aussi longtemps qu'il n'a pas engagé d'aller tuer le Coran, d'apprendre le Coran et comprendre le Coran. Et ça a montré l'importance que chaque parent, les besoins encouragent ses enfants pour les participer d'avant les leçons, qu'on lui enseigne ou mémorise le Coran, peut faire une mémorisation du Coran, et peut faire des études du Coran, peut faire des tafsir du Coran, et les leçons afin qu'il nous gagne une chaîne. Qui peut faire Inch'Allah subhanahu wa ta'ala sur le bain de soldat pour dire Allah Rabbul Alamin. Inch'Allah, s'il n'est pas gagné sa bande de dose-là, s'il n'est pas dans l'enseignement Coran de la vie, nous voulons nous parler, les boutons de la dégâts. Si dans l'égorement, il peut faire nous les deux, c'est ce qu'on s'assabit dans les bédiens, saisissent l'étude Coran, saisissent l'étude Coran qui peut faire Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, capable. Et capable, sauf nous depuis sa balle, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, les filles mettent beaucoup l'emphase dans l'ancien Coran. Dans l'ancien Coran, par exemple, à côté de Ibn Omar, il dit quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous allumons le Coran. Il dit les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, tu fais enseigner le Coran. Il a balayé le hadith de Sahaba Dia. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais envoyer dans tel ou tel endroit. Pour enseigner le Coran, c'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit un groupe qui vient accepter l'islam, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire avec Balan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux envoyer un sahabi pour enseigner le Coran. Et ça montre que la révolution islamique, il trouve dans l'étude du Coran, c'est pour ça. Ben frère qui a l'iman et ben chef qui a l'iman, ça c'est priorité dans la vie. Pour nous jouer la prospérité dans n'importe qui phase de ça, l'on s'attendra dans le kabar et d'après. Allah Rabbul Alamin, parmi tous ces bonnes ayats du Coran qui nous révèlent à les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus que 6000 ayats du Coran, les choisir comme premier ayat pour les révéler à les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ayat? Iqra, lire. Il y a un message pour nous là. Les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, première révélation qu'il y a avec Allah, iqra, lire. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, première ayat du Coran qui dit ça, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il dit lire. Il dit lire le Coran. Pour nous, les musulmans, nous comprenons qui nous l'honneur trouve dans le Coran, ne pas pour capable, sans situation qui nous permet d'accepter si nous retournons vers le Coran. Si nous donnons le Coran sur l'importance, Allah subhanahu wa ta'ala, honorons-nous. Dans n'importe quelle façon qui nous fait penser, nous bouger à l'honneur. Et parmi, ben ayat du Coran, ben hadith plutôt, et qui concerne ce sujet-là, il y a beaucoup ayat du Coran, beaucoup hadith qui peut cause concernant ça. Il y a beaucoup ayat du Coran, et beaucoup hadith qui peut cause concernant ça, ce sujet-là. C'est comme un encouragement.
Nous citons des hadiths pour nous terminer comme une preuve que c'est lui qui est bien engagé dans sa lalie. Comprendre le Coran, lire le Coran, mémoriser le Coran, étudier le Coran, c'est. Il a beaucoup et beaucoup de bien du Gatandi. Et c'est lui qui lui peut vivre à l'aide avec sa banmage d'Islam, Libya est bien grave. C'est lui qui lui peut vivre à l'aide avec banmage disparaît. Quand il peut gagner sa banmage l'occasion là, il n'a pas bien guéri ses mots, il participe dans sa balle de son là, Libya est bien grave. Rapporté par Abu Waqid al-Layfi, لجيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة لجيا أنفا لبس أجدال صلى الله عليه وسلم لجيا سيد مسجد اتنا بانجمون أبكلي 3 personnes في الغنطري 3 personnes في الغنطري دا مسجد فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. أبو واقد عليه الجيا دبا بمنا في الغنطري إن فينالي دبا بسطوارة في الغنطة مسجد إن فينالي. فأما أحدهما كانت إن باب سديك في الغنطري فرأى فرجة في الحلقة دي فجلس فيها. لفين تروب ان بلاس ده ساسيا كتش بأسيز عصام عبك البروبة محمد صلى الله عليه وسلم كلي فين فير لفين بن أسيز بارمي بانت ده ساسيا إسا أبا سنجيس تن بروبي ده بان مجلس بارين ويسا أسيزا أمو كنا قيلون بلين أسيز بان فانفاني ألو بريميرا لفين بن أسيز ده بري عبك البروبة محمد صلى الله عليه وسلم ده بلاس كنت بن تروبي. وأما الآخر فجلس خلفه. لجيء الدشملة لفينانسيز على وجهه. لفينانسيز يبقى في الغان ده شعبوب لا من لفينانسيز بالية ده ما سيستا. إتواجملة وأما الثالث فقد برا ذاهبا إتواجملة لفينالي. الصوت لفينالي بقى في نانسيز كيسا ما سيستا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في تيمين أبي سكر أبي شاسو أبيك سبحان الصحابة لجي ألا أخبركم عن النفر الثلاثة لجي أسكي مبا أمزل كونسينا سطوى بيرسل لا لجي أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله فآواه الله لجي أبقيني لا لفين شاس غفيز وبقي الله الله في الدنيا غفيز جعل الله سبحانه وتعالى في الأولي كيف الله في الأولي كيف الله في السيبولي كيف الله في الدنيا غبريس بيدي سيباسكين في نهاد داسا مجلس كون لبروبة صلى الله عليه وسلم ببعتاز أفريسان لبروبة صلى الله عليه وسلم بأنسان قرآن لجي أبو ديشنا وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه لجي ديشنا سيدي تغيس بريئة لجي في الأوتي الله سبحانه وتعالى في الأوتي أبو ديشنا لبا في الجارة on pense qu'il prenne la fin fin gagné déjà va ammal akhar et ça basant nous ça trois c'est la même qui nous conseille nos bonnes frères et nos bonnes sœurs qui l'animent c'est ma location pareil c'est ma location à ne pas rater c'est ma location qui nous n'a pas besoin bien les deux sinon c'est lui qui les vieux viennent les doigts avec mal mal disparaît, les besoins dans la frayée de son été qui vient. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam de Amman Akharu, déjà quand à troisième là, fa'a'arada Allahu anhu, les fins viennent les doigts, Allah fin viennent les doigts avec lui. Les fins viennent les doigts, Allah fin viennent les doigts avec lui. Grave, pas grave, c'est grave. Quand nous payons mal l'occasion pareil pour nous apprendre, faudrait pas nous bien les deux. Faudrait pas nous pas vite pas. Mais nous sommes contents pour nous pas. Les difficiles, nous peut tâtonner, ou bien nous peut rattraper. Nous peut gagner sommeil, nous peut gagner fatigué. Faudrait pas les deux tiens plan pour nous n'a pas assisté mal mal disparaît. Nous avons besoin de venir.
C'est ça qu'a fait le sacrifice. Est-ce que nous devons penser qu'il nous pourrait la connaissance à Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre nous dans Jannah sans qu'il nous traverse comme la difficulté? Alors il ne faudrait pas nous tourner les dos. Et dans l'aïe du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي » C'est lui qui dit tous les dos avec mon dhikr, avec mon rappel. « فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ » Nous tous nous verrons de la vie facile de nos jours. Nous tournons compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala les facilite pour la vie. Nous vivons dans la prospérité. Nous suivons la tranquillité dans la vie. Ce n'est pas faire face à aucun problème. Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui tourne les doigts avec mon rappel. C'est lui qui tourne les doigts avec ma main disparaît. Fa inna la ma'isha tardan ka ina nabijia pour lui. Ina nabijia pour lui. Ça c'est mal. L'occasion que nous gagnons la vie, Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous la vie. Et il continue à dire, « Wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma » Et les jours du qiyama, nous pouvons les aveugles. « Qala rabbi lima hasharatani a'ma » Il peut dire avec Allah, « Oh Allah, tu veux que nous sommes aveugles ?»« Wa qad kuntu basira » Et qu'il est au dunya, je me trouve clair. Allah peut dire, « Likadarika tatka ayatuna fanu ayatuna fanasita wa kadarika yawma tunsa » Et c'est de la même façon, quand nous avons un ayat, nous avons un rappel que tu peux venir vers toi, quand tu peux gagner l'occasion, pour que tu écoutes mon rappel, pour que tu écoutes l'ayat Quran, pour que tu lis le Quran, tu viens vers les deux, de la même façon, aujourd'hui, tu peux être oublié. Et dans un dernier hadith que nous pouvons citer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, « Yadir le Quran, yawm al-qiyamah » جاء لشوء القيامة ومن القرآن كالرجل الشائب كما ان بيشن كي لبيرا لابي يقول لصاحبه ألو بجيا أسيري كي أغازلي أب القرآن سيري كي سبيدي القرآن ومبيا أنسان القرآن ومبيا يتجي القرآن ميموريز القرآن القرآن بجيا أبان كي بنا أغازل La solection, mais dans n'importe quelle façon, vous demandez une halte à répondre. Est-ce qu'il te connaît moi? Et les poutiers, Anal lavi puntu ashara laylaka wa admaha hawajiraka. Il dit, c'est moi-même que tu peux empêcher toi de dormir pendant la nuit et tu peux faire toi assoiffer pendant la journée. C'est-à-dire, c'est lui qui peut engager. Sur les temps, on a la vie de médias Quran, on a de faire Qiyam al-Layl, on a la journée de médias Quran, il peut gagner soif quand il peut dire Quran. Sa Quran n'a pas vite bien dit, vous dire, inna kulla tajiri min wara'i tijaratihi, il dit certainement, chaque commerçant, lui, derrière ce commerce, wa ana laka al-yawma min wara'i kulli tajiri, j'ai sauté, mot pour toi, derrière tout bal. Commerçant, fayu'ta al-mulku, pour donner la royauté, de son côté droit, wal-khuldu, bishimali, pour donner l'éternité, de son côté gauche, wa yudra'u ala ra'sihi tajul waqar, et pour mettre couronne, l'honneur de son latin. L'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour donner, un petit engagement sur l'état. Avec le Coran de sa dunya. Vous pouvez arriver une couronne, l'honneur de la dîme n'est pas fini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et sa message-là, les pour les parents, pour les mamans, et les papa et les pour nous tous. Parce que, en tant que parents, nous comptons, nous gagnons les bons enfants qui se viennent un moyen. Pour faire nous gagner récompense les jours du Qiyama, et de la même façon, nous aussi nous disons comptant nos mamans, nos papas, l'islam qui n'attache beaucoup d'importance pour nous comptant, nous obéir à nos mamans, nos papas, nous obéir à comptant, nous disons chers par action à travers lesquelles nous profitons nos mamans et nos papas les jours du Qiyama. Il y soit maintenant encore vivant, ou bien je ne finis pas. Ça, c'est nos mamans, nos papas. Ça, même si je ne parle pas, je dresse nos mamans, nos papas, c'est en tant qu'elle s'en va pour sa maman. Et sa papa qui vient faire sacrifice, ça, nous besoin pour mon temps. Nous besoin de chiens, mal moyen. Comment est-ce qu'il nous capable de profiter de sa maman là, ou bien nous capable de profiter de sa papa là?
Le professore sallallahu alaihi wasallam di coach ne dicia, diceva yuksa walida hullatani ya la yaqumu lahum ad-dunya wa ma fiha. Dicia, le suci qiyam basi siki puga ne compan, so parma maintenant, so mama, so papa, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire son pot vêtement qui pe teresa dunya la ribena o ken vale o presa vêtement. Le lien sa maman et sa papa la poussuit à les jours du Qiyama, Fayakoulani. Alors qu'avant la poussuit ça, le lien là, je vous demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbi, anna lana hata, oh nous Rab, quand nous pégais ça, oh nous Rab, quand nous pégais ça, qui vient nous pégais ça, man, sa mère récompense à Fayakoulou laha, l'homme, et vous dit à sa maman et sa papa là, Bita'limi, voilà dit kouma, al-Qur'an, c'est par l'enseignement. Demande des enfants du Coran. C'est par l'enseignement. Et tu demandes des enfants qui engagent dans le Coran, dans l'enseignement du Coran. C'est pour sa raison-là qui peut donner toi sa vêtement qui donne un peu de valeur auprès de sa vêtement-là. Il n'y a pas arrivé au Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qui engage dans le Coran, dunya kujai suqiyama liya muti e risk Quran kumalich pe risk di lo dunya e soha li pukudya ya ayat ki li puliya donc man fakira iman e man shakira iman vede man Allah subhanahu wa ta'ala va tout ce ban joli nom et tout ce ban shifat ki diena tout ce ban atribi ki diena pour l'épée à Saban, ayat Quran, et va khalif qui nous fait écouter ensemble, il a l'épée dans le cœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous profiter avec ce qui nous fait écouter, qu'Allah Rabbul Alamin, pour s'attiquer les temps, Philippe paix avec nous, pour nous vivre dans sa dunya là, qu'Allah Azza wa Jal lui fait nous vivre parmi ban qui engage nous les temps, d'apprendre comment lire Quran, mémorise le Coran, étudie le Coran, écoute le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait nous perdre dans l'état, qu'Allah Rabbul Alamin lui mette l'amour dans le cœur pour le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui prend la vie dans l'état que nous avons le Coran, l'enseignement du Coran peut réfléchir dans nous, dans l'état qu'on est satisfait avec nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les jours du Qiyama, les phénomènes parmi man, qui pourraient tout mal récompense qui finit réservé pour celui qui finit engagé avec le Coran dans sa dunya là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui pardonne le bon grand péché, le bon petit péché, lui pardonne le péché de maman, le papa, lui pardonne le péché de tout bon qui est l'Iman, qui est Ar-Rahman, Ar-Rahim, il a beaucoup pitié de nous, lui pardonne nous, et lui mette nous dans la jannah dans le firdaus, inshallah, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilayk, et lui demande ma fayyab,